Yo tout le monde, c'est Naxocat et j'espère que vous allez bien. Moi ça plutôt nickel. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une astuce, plutôt un glitch. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment teindre une tenue sans dépenser de ressources. Il y a certaines couleurs qui demandent des ressources bien particulières et des fois vous n'avez pas envie de les dépenser et vous préférez plutôt attendre ou farm les ressources pour en avoir plus. Mais je vais vous montrer comment dépenser des ressources inutiles à la place des bonnes ressources. Je vais vous faire une démonstration du glitch et après on va passer aux explications. Donc là, on passe tout simplement aux explications. Avant de réaliser ce glitch, assurez-vous d'avoir des flèches électriques. Donc une ou deux, ça suffit, vous inquiétez pas. Juste une que vous pouvez dégainer. Donc il vous faudra aussi entre 5 et 8 arcs multiflèches. Vous pouvez en trouver au repère des Yigas en allant tout simplement tuer des Yigas. Donc vous passez par là, il y aura un Yiga à peu près ici. Là, vous faites le sanctuaire, il y aura un Yiga ici. Et là, vous en aurez 3. Donc ce qui vous fait un total de 5 arcs multiflèches. Vous pouvez en obtenir aussi l'épreuve de Damien. Donc ce sera une épreuve pour récupérer un arc x 3 flèches. Sinon vous pouvez en récupérer sur des linelles. Donc comme moi j'ai des arcs de linelles. Des linelles vous pouvez en trouver partout sur la map. Donc si vous ne savez pas où il y a des linelles, rendez-vous dans ma précédente vidéo sur les astuces sur Zelda Breath of the Wild. Où je vous ai montré où trouver des linelles. Donc une fois réunis tous ces arcs multiflèches, vous allez en équiper un. Équipez la tenue que vous voulez teindre. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi la tenue, vous allez récolter au moins 5 pommes. 5 pommes et un matériau de la couleur que vous voulez teindre. Bon, par contre, c'est très bizarre parce qu'on dirait vraiment que la lune a un visage, comme dans Majora's Mask. Il me semble que c'est là-dedans que la lune tombe sur Hyrule. Après, je suis pas sûr, donc me critiquez pas en commentaire si je dis de la merde. Donc, comme je vous disais, vous prenez plein d'arcs multiflèches, un arc électrique, vous dégainez avec la tenue justement équipée. Vous équipez aussi un arc et un bouclier et une épée. L'arc en fait c'est un peu indispensable, mais l'épée et le bouclier ça aidera au glitch. Si vous n'en avez pas, il vous faudra plus d'arcs. Donc ensuite, vous le dégainez en jeu avec la flèche électrique, ça ne marche qu'avec les flèches électriques. Vous le jetez, vous en équipez un autre, plus plus. Donc vous sortez, vous rentrez dans l'inventaire. Vous jetez plus plus, vous jetez, vous équipez plus plus, et au bout d'un certain temps, Link devra apparaître soit sans corps, soit sans vêtements, soit invisible. Ensuite, vous prenez des matériaux qui n'ont pas beaucoup de valeur, donc un conseil, ne prenez pas le champi tempo parce qu'il y a une mission où vous devez en récupérer 55, donc c'est assez chiant. Prenez des matériaux, genre des trucs que... qui sont inutiles, par exemple, je sais pas moi, les diamants.
Non, je rigole, bien sûr. Ne prenez pas de diamants, parce que c'est très rare. Prenez plutôt des pommes, parce que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment en avoir plein. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas équipées en jeu, donc c'est tout à fait normal. Vous récupérez vos arcs, et vous vous dirigez vers Sauge. Et je ne parle pas de la plante, je parle vraiment du gros monsieur avec un ventre énorme situé dans la teinturie. Bienvenue à toi pour une vie haute en couleurs. T'es au bon endroit. Bienvenue à la teinturie au Levant. Notre devise, rafraîchir les couleurs, rafraîchir le cœur. Bon, d'accord, c'est pas ouf. Vous devrez juste payer 20 rubis et 5 pommes. Donc honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Donc cette astuce, n'hésitez pas à la partager. C'est bah, vos potes qui galèrent parce que pour farmer des matériaux, c'est un petit peu chiant. D'accord, choisir une couleur. On va prendre le rouge bordeaux, j'aime pas trop. Le bleu, comme ça, je le trouve vraiment très classe. Après, en marron, ça fait vraiment un rendu beau. En rouge, comme ça, c'est dégueu. En jaune, c'est pas mal. En noir aussi, c'est classe, mais je l'aime bien en bleu. Donc là, 5 matériaux. À moins que vous ayez plein de scarabellum, plein de gemnox, franchement, utilisez cette manière, parce que si vous n'en avez pas, c'est vraiment le bon moyen. Donc là, je vais prendre un scarabellum qui ne se retrouve pas pris dans mon inventaire. On a équipé 5 matériaux, je vous rappelle, et ça a fait totalement surcharger la mémoire. Donc c'est pour ça que en équipant un nouvel objet, ça ne va pas l'équiper, parce qu'il y a trop d'objets équipés. Donc bien sûr, hop, vous perdez juste 20 rubis et 5 pommes, comme je vous l'ai dit, ou 5 matériaux de votre choix. C'est pas grave, donc là, la teinture, je l'ai accélérée. Et on se retrouve avec un magnifique bleu. Mes yeux, quelle couleur magnifique! Cette couleur illumine ton visage, cher client. Si tu veux changer de teinture, tu sais à qui faire appel. À qui? Je sais pas, à Inox the Cat, parce qu'il te donne vraiment des bons conseils. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce glitch. Il doit être présent dans plein de vidéos sans que je m'en sois rendu compte. Parce que j'ai cherché sur internet comment teindre des tenues sans gaspiller de ressources. Donc c'est un peu normal que j'ai rien trouvé. Donc ça change absolument rien de teindre votre tenue. Hein. Vous pouvez très bien la laisser normale. Mais franchement, moi je préfère la teindre parce que bah, c'est un meilleur rendu. Et en rouge comme ça, ça rend mieux qu'en rouge bah, plus éclatant en fait, j'ai l'impression. Qu'après chacun son avis bien sûr sur la question. Ça fait vraiment le Link présent dans Link Between Worlds. Si vous savez, avec la tunique rouge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager en masse. À mettre des pouces bleus pour ce glitch vraiment incroyable. Je remercie d'ailleurs FD Glitch parce que j'ai pu, grâce à lui, faire plein de glitchs. Malheureusement, bah, je pense qu'il regardera pas ma vidéo, mais c'est pas grave. Donc FD Glitch, je crois que c'est un peu grâce à toi que je connais ce glitch. Mais voilà, donc c'est plutôt cool. Merci à toi en tout cas. Merci à vous les abonnés, on est déjà plus nombreux qu'avant. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 534 abonnés. Malheureusement, on en a perdu 2 en route. Bon, c'est pas grave. J'en ai gagné plein dans le sens où avant j'étais à 230 et en à peine une semaine je suis passé bah, à 530. Ouais bon, j'ai eu plein de pubs aussi de youtubeurs, donc merci à eux encore une fois. Je tenais aussi à remercier FloFlo parce qu'il m'a offert un skin bien particulier dans Fortnite. Donc je vous mettrai sa chaîne en description, je vais vous montrer tout simplement le skin qu'il m'a offert parce qu'il me devait 10€ de V-Bucks depuis un mois. Un mois. Oui, un mois depuis 2 mois, c'est-à-dire qu'il me doit depuis 3 mois 1000 V-Bucks. Mais c'est pas grave, donc je vais vous montrer tout simplement ce qu'il m'a offert. Donc voici les images, bah, justement, du cadeau que j'ai reçu. Au début, je savais pas qui m'avait offert le cadeau, parce que ça fait 3 mois que je l'attendais, et je me disais, il va jamais me l'offrir, je me suis fait couillonner, la prochaine fois je ferai plus attention. Et non, j'ai bien reçu un cadeau un jour, et je me suis dit, attends, what the fuck, j'ai eu un concours avec... Hein, je me rappelle pas. Et là, bim, Terreur sombre dans le casier. Donc franchement, merci FloFlo d'avoir offert le skin, d'avoir tenu parole, même si ça a pris 3 mois, c'est pas grave. Au début, je lui ai demandé le pass de combat, mais comme il pouvait pas parce qu'il devait remettre 10€, il m'a offert ce skin, et franchement, je suis pas déçu parce que je le trouve stylé. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Tout simplement, sa chaîne sera en description, je compte vraiment sur vous, s'il vous plaît. Je crois qu'il refera un concours. Moi aussi, j'en ferai, donc s'il vous plaît, allez le suivre, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao tout le monde, c'est Nosecat, bye les potes.
touch this. You can't touch this.